régime. Alors voilà, installez-vous bien confortablement, prenez tout ce qu'il vous faut, un petit coussin sur le canapé, vos doudous si vous avez besoin. Et on est parti pour l'histoire de Roule Galette. Voilà, alors, bienvenue à tout le monde, les baby gym, tous ceux qui veulent regarder, les assistantes maternelles avec leur petit groupe d'enfants. C'est un tapis histoire, merci Anne de me l'avoir prêté. Ça va pouvoir nous servir aujourd'hui. Donc on va écouter cette histoire, on va chanter ensemble et vous allez découvrir les différents petits personnages de cette histoire. On est parti, installez-vous, j'arrive. Installez-vous bien confortablement et on démarre. Il était une fois dans une petite maison dans la forêt. Vivaient un vieux et une vieille. Le vieux et la vieille voulaient manger une galette. Mais pour cela, il leur fallait différents ingrédients, dont du blé. Et du blé, il y en avait au grenier. Donc le vieux dit à la vieille, « Monte au grenier, prends un balai et essaye de tout récupérer, les petites graines de blé qui se trouvent sur le sol. » La vieille balaye, elle ramasse tout ça et avec le blé, fait de la farine. Et avec la farine, elle fait une jolie galette. Elle se met donc dans sa cuisine et se met au fourneau. Et voilà que la galette est prête. Oh, la jolie galette! Sauf que cette galette, elle est chaude, très très chaude. Alors le petit vieux, il lui dit, mais là, pose-la devant la fenêtre. On la pose devant la fenêtre de la maison. Et la galette, elle, d'un coup, elle se met à partir. Elle roule sur le chemin. Elle roule loin. Et la voilà qui arrive près du petit lapin. Le petit lapin, le voilà. Et là, une bonne petite galette. Galette, je vais te manger. Mais la galette, elle ne se laisse pas faire et elle repart. Elle part. Elle roule. Et elle se cache derrière un arbre de la forêt. Quelle est cette bonne odeur, dit le loup. Serait-ce une galette? Oui! Oh, galette, je vais t'attraper. Attrape-moi si tu le peux, dit la galette. Et la voilà qui roule. Et le loup essaye de l'attraper. Mais la galette, elle roule. Et elle se cache de l'autre côté de l'arbre. Galette, je vais te manger. Non, dit la galette, je suis cachée. Alors le loup repart tranquillement derrière sa forêt. La galette, elle, est bien cachée. Sauf que elle s'est cachée dans la tanière de l'ours. Galette, je crois que je vais te manger. Une bonne odeur de galette. Et là, l'ours, qui est très très tranquille, il se met à chanter et il dit. Petite galette, j'aimerais te manger. Petite galette, mais tu es cachée. Petite galette, je vais te trouver. Petite galette, Mais la galette, elle entend l'ours qui se met à chanter. Mais elle aussi, elle part en chantant et elle continue de rouler. Je suis la galette. Je suis faite avec du blé ramassé dans le grenier. On m'a mise à refroidir, mais j'ai mieux aimé courir. Et elle continue son chemin vers une autre forêt. Je suis la galette, je suis faite avec du blé ramassé dans le grenier. On m'a mise à refroidir, mais j'ai mieux aimé courir. Et la voilà dans la forêt. Elle fait une petite pause. Et l'ours,
Il retourne vers son petit pot de miel, tranquillement. Mais triste, j'ai raté la galette. Bon, tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Il se cache. Et la galette, elle continue à nouveau son chemin. Elle était partie loin, 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 loin. Et là, au loin, elle voit la maison, des vieux, des grands-parents. Et elle se dit, peut-être que je vais réussir à retourner là-bas. J'étais partie trop loin. Mais en chemin, qu'est-ce qu'on voit arriver? Regardez qui est là. C'est le renard. Oh, galette, galette, je vais te manger. Attrape-moi si tu peux, dit la galette. Comment, galette? Je ne t'entends pas. Viens me le redire un peu plus près. Alors la petite galette, elle s'approche. Elle est gentille. Elle roule. Je suis la galette, je suis faite avec le blé, ramassé dans le grenier. On m'a mise à refroidir, mais j'ai mieux aimé courir. Galette, que tu sens bon! Je crois que je vais te manger. Oh non, pour cela, il faut m'attraper. Alors la galette, elle essaie de repartir en arrière. Mais le renard, il est futé, il est rapide, il est malin. Et la galette, elle repart en arrière. Je suis la galette, je suis faite avec du blé ramassé dans le grenier. Mais on m'a mise à refroidir, mais j'ai mieux aimé courir. Je l'ai mangé, cette petite galette. Regardez, il n'en reste que la moitié. Malin le renard. J'aime la galette, je suis faite avec du blé ramassé dans le grenier. On m'a mise à refroidir, mais j'ai mieux aimé courir. Qu'elle était bonne cette galette. Allez, il en reste la moitié. Je vais retourner à la maison des grands-parents car je ne suis pas loin. Oh, je suis arrivée. Tac, tac, tac. Oui, qui est là? Dit la grand-mère. Je suis le renard. Oh non, renard, je ne t'ouvre pas. Grand-père et moi avons bien assez peur des renards. Oui, mais je voulais vous remercier pour votre galette. Elle était très bonne. Elle a fait un long chemin, mais j'ai réussi à la manger. Mais vu que je suis un gentil renard, je vous en ai laissé la moitié. Car bien sûr, il est toujours très important de partager. Alors, je vais vous en laisser un petit bout. Grand-père et grand-mère, et si vous êtes d'accord, je vais retourner voir les différents amis de la forêt pour leur en donner aussi un petit bout. Oh, c'est gentil, renard! Oui, merci, et je referai une galette avec le blé qui se trouve dans le grenier. Allez, je vous laisse un bout de galette. Et je repars. J'aime la galette, je suis faite avec du blé ramassé dans le grenier. On m'a mise à refroidir, mais j'ai mieux aimé courir. Coucou, monsieur l'ours. Oh, mais qui voilà? Oh, renard, que fais-tu ici? Eh bien, j'ai réussi à attraper la galette. Oh, tu es fort, renard. Et donc, tu l'as mangée? Non, non, pas tout. Justement, je suis retournée dire merci aux grands-parents et là, je te la rapporte. Enfin, un petit bout. Allez, croque dedans. Merci, renard. Qu'il est bon de partager. Allez, je te laisse et je retourne voir le loup. Je suis la galette, je suis faite avec le blé ramassé dans le grenier. On m'a mise à refroidir, mais j'ai mieux aimé courir. Loup, loup, loup y es-tu? Oui, je mets ma chenille.
Je t'apporte de la galette. Oui, je suis le loup et je suis là. Oh, renard, tu as réussi à attraper la galette. Logiquement, je suis fort, moi aussi, mais je n'ai pas réussi. Des fois, on ne réussit pas tout. Eh bien voilà, moi je suis un gentil renard et je t'apporte un morceau de cette galette. Allez, croc. Merci. Je pars voir maintenant le lapin. Mais où est le lapin? Le petit lapin s'est caché dans le jardin. Cherchez le coucou coucou. Il est caché peut-être sous un chou. Lapin, lapin, es-tu là? Oui, je suis là. J'étais dans mon terrier en train de me reposer. Eh bien voilà, lapin, il me reste un petit bout de galette. Je suis venue voir tous les animaux de la forêt et j'ai remercié les grands-parents. Et il reste un petit bout pour toi. Merci, renard, que tu es gentil et que c'est bon de partager ensemble. Eh bien, à bientôt, renard. Et voilà, le dernier petit bout est pour le renard. Et il est aussi pour vous. Tenez, allez-y attraper. Que c'est bon. Eh bien, écoutez, si vous pouvez encore, mangez une bonne galette. Profitez bien. Et si ce livre vous intéresse, ce n'était pas tout à fait l'histoire originale, mais je vais vous le montrer. C'est l'histoire Roule Galette. Voilà, des éditions Père Castor. Donc vous pouvez le retrouver dans les bibliothèques ou dans les magasins. N'hésitez pas à le regarder. Eh bien moi et tous mes petits amis de la forêt, on vous fait tout plein de bisous. Et on espère bien sûr vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo de Baby Jim autour de différentes comptines, de différentes petites choses. Voilà, à bientôt les amis. Et surtout, mangez un peu de galette. Et n'oubliez pas, il est toujours bon de partager. Au revoir les amis.